Salut à tous et à toutes, c'est Florent de la chaîne Hobby Figurine et on se retrouve pour une vidéo, donc une vidéo unboxing sur une boîte qui est emblématique de Star Wars, le jeu de figurines, le réveil de la force. C'est tout simplement la boîte où on retrouve le Faucon Millennium de Star Wars 7 et ainsi que le X-Wing T-70 de Poe Dameron, donc ressemblant vraiment à celui du film avec sa couleur noire et orange, et le Faucon Millennium bien sûr reconnaissable avec son antenne carrée. Donc voilà, c'est une boîte qui est sortie récemment et dont mon ami Yannick m'a offert. Donc du coup je le remercie, je lui fais une petite dédicace. Donc il a acheté le sien déjà et il l'a déjà ouvert, donc on a déjà vu ce qu'il y avait à l'intérieur entre nous. Mais voilà, on a décidé de prendre cette boîte-ci pour faire ce petit unboxing. Donc cette boîte il l'a eu pour le prix de 42 € si je ne dis pas de bêtises, donc un super beau cadeau. Donc encore merci Yannick. Donc cette boîte va permettre de compléter nos vaisseaux pour les missions de Star Wars 7. Donc pour les rapports de bataille qu'on fera avec justement les X-Wing T-70 etc, on aura le Faucon adéquat par rapport à ce film là, vu que pour les anciens films j'ai déjà l'ancien Faucon Millennium. En plus à l'intérieur on retrouve des cartes qui sont très intéressantes. Donc voilà, on va pas trop s'attarder là dessus, on va plutôt dire ce qu'il y a un petit peu à l'intérieur. Donc à l'intérieur on a un feuillet de règles, 28 cartes, 27 marqueurs, 2 cadrans de manœuvre et les deux vaisseaux emblématiques. Donc maintenant on va passer à l'ouverture. Donc à l'intérieur on a deux petits compartiments, donc le compartiment avec le carton comprenait tout ce qui est cartes, cadrans, socles, etc. Et l'autre petit compartiment qu'on voyait en surface c'est tout simplement les deux vaisseaux. Donc on va commencer par les deux vaisseaux. Donc petit changement par rapport à l'ancien Faucon Millennium, comme je vous ai dit son antenne est donc rectangulaire vu qu'il a perdu pendant la bataille Lando l'antenne traditionnelle ronde. Bah là du coup on en a une rectangulaire. Rien ne change mis à part le fait qu'ils ont fait enfin un réacteur. Donc l'ancien modèle n'avait pas du tout de réacteur bleu, c'était juste gris basique sans les petits stries qui se trouvent là dedans. Donc du coup le Faucon Millennium est beaucoup plus précis au niveau de la finition, juste par rapport à ça qui change quand même pas mal. La peinture c'est la même. Et puis bah, la petite antenne rectangulaire. Donc voilà, donc après pas de gros changements majeurs mis à part ces deux trucs là. Pour ce qui est du X-Wing T-70, et bah inutile de repeindre un vaisseau que vous allez acheter en blister. Là du coup vous avez directement votre vaisseau déjà peint. Donc une belle finition mais peut-être un peu trop propre à mon goût. Donc peut-être que je ferai une petite vidéo pour salir légèrement ce type de vaisseau pour le rendre un peu plus crédible, parce que là il fait trop plastique, c'est un peu dommage. Mais après sinon les couleurs sont bien respectées et le design est quand même là. On retrouve toujours les socles avec les petites tiges transparentes, donc le gros socle pour le Faucon Millennium et le petit socle pour le X-Wing. Les petites attaches pour les cadrans de manœuvre, donc à ne pas perdre, mettez ça bien de côté. On a un petit livret, donc un petit livret qui nous explique les règles avancées pour les tourelles d'armes, le liste des matériels, etc. Et puis des petites missions exclusives par rapport à cette boîte. Alors maintenant, on va passer au petit sachet qui contient tout simplement les jetons. Les jetons et les cadrans de manœuvre. Donc 3 d'attaque, 1 d'esquive, 8 de coque et 5 de bouclier. Pour ce qui est du X-Wing, c'est 3 d'attaque, 2 d'agilité, 3 de coque et 3 de bouclier. Donc basique. Hein. Donc du coup, on a tout réuni sur avec ainsi que les cadrans de manœuvre sur 3 planches. Et puis les jetons, donc les jetons traditionnels, que ce soit focus, etc. Donc là, 6 marqueurs de cible qu'on retrouve sur cette grappe. Donc je sais pas trop à quoi ça sert, je pense que c'est pour une mission, donc j'ai pas trop lu en détail. Sinon on retrouve traditionnellement les focus, les boucliers. On n'a pas d'esquive, parce qu'ils n'ont pas du tout d'esquive, ces vaisseaux-là. On ne retrouve même pas d'acquisition de cible, non.
Donc il n'y a pas d'acquisition de cible sur ces boîtes-là. Il y a seulement stress et focus. Donc peut-être qu'à mon avis, c'est pour changer des... Peut-être que ça sert justement comme acquisition de cible, peut-être ces marqueurs-là. Donc je ne sais pas trop pourquoi ils n'ont pas remis les anciens avec des lettres. Peut-être qu'ils ont déjà tout fait. Donc voilà, les cadrans de manœuvre, tout. Donc on a tout en main. Donc pour ce qui concerne les manœuvres, donc là on a les manœuvres du T70. Donc du coup le T70 fait tout simplement des 1 droit et en courbe en vert. Les deux sont droit vert, en courbe blanc et virage à sec blanc. Le 3 est un 3 tout droit vert, un 3 en courbe blanc et 3 virages à sec en blanc. Et on a le tonneau de talon, donc c'est-à-dire le tonneau en virage à sec demi-tour, donc en rouge. Pour ce qui est du 4, on a le tout droit en blanc et le tout droit demi-tour en rouge. Et ben on a la manœuvre verte tout droite et en courbe vert, virage à sec blanc. Le 2 tout droit en vert, le 2 en courbe blanc et le 2 virage à sec en blanc. Le 3 tout droit et en virage simple en blanc et le 3 en rouge. Et la dernière manœuvre, 4 tout droit blanc et 4 tout droit demi-tour en rouge. Donc là on en a fini là-dessus et maintenant on va se concentrer sur les cartes. Donc Han Solo, quand vous êtes placé durant la mise en place, vous pouvez être placé n'importe où dans la zone de jeu à portée 4 plus de vaisseaux ennemis. Donc pour 46 points, il peut faire focus acquisition de cible. Donc ça c'est un classique pour tous les YT-1300. Donc Han Solo a une médaille, un missile et deux d'équipage. Ensuite on a Rey. Donc pour 45 points, on a le même bandeau en bas. La seule chose qui change, c'est la valeur de pilotage de 8 par rapport à Han Solo qui était de 9. Et le texte, quand vous attaquez ou défendez, si le vaisseau ennemi se situe dans votre arc de tir, vous pouvez relancer jusqu'à 2 de vos résultats vierges. Ensuite, on a Chewbacca. Donc moi, je préfère quand même, l'ancienne carte était plus intéressante. VP5, 42 points, toujours le même bandeau en bas. Après qu'un autre vaisseau allié situé à portée 1 et 3 a été détruit mais n'a pas fui le champ de bataille, vous pouvez effectuer une attaque. Donc ensuite on a le sympathisant de la résistance, donc valeur de pilotage 3, 38 points. Le bandeau est pratiquement le même sauf qu'on n'a plus la petite médaille en bas. Donc rien au niveau du texte. Donc pour 38 points, c'est voilà, c'est un petit vaisseau correct qui sera largement au-dessus que le cargo contrebandier. Donc là on passe au T-70, donc Podamron, donc VP9, donc ce qui change pour 33 points. Donc son bandeau en bas est une médaille, une torpille, un droïde et un robot. Tant que vous attaquez ou vous défendez, si vous avez un marqueur de concentration, vous pouvez changer un de vos résultats focus contre un résultat dégâts ou esquive. Donc là, du coup, c'est la même carte, sauf que la meilleure VP et coûte un poil plus cher. Donc on a focus, acquisition de cible et accélération. Donc ensuite, on a Nien Nub, donc la même médaille, enfin les mêmes choses qui se trouvent dans le bandeau en bas. Quand vous recevez un marqueur de stress, s'il y a un vaisseau ennemi dans votre arc de tir à portée 1, vous pouvez défausser ce marqueur de stress. Donc pour 29 points. Ensuite, VP6, on a la même chose en bas pour 28 points. Après avoir exécuté une manœuvre à vitesse 2, 3 ou 4, si vous n'êtes pas en contact avec un vaisseau, vous pouvez effectuer une action d'accélération gratuite. Ce qui est pas mal. On a Jess Pava, donc VP3, 25 points. Donc il y a juste la médaille qui a disparu. Quand vous attaquez ou défendez, vous pouvez relancer un de vos résultats pour chaque autre vaisseau allié situé à portée 1. C'est pas mal quand vous êtes groupé, que vous faites une formation serrée. Ensuite on a les cartes qu'on retrouve déjà dans les paquets classiques. Le vétéran de l'escadron rouge. Donc on a la médaille par contre, contrairement à Jess Pava. Mais on a 26 points, donc pour un point on passe d'une meilleure VP, mais on n'a pas de caractéristiques. Donc voilà, donc à choisir, voilà, vous avez le choix. Ensuite l'apprenti de l'escadron bleu, donc pareil, le bandeau est le même, juste 24 points.
pour VP2. Donc maintenant on va passer aux cartes d'amélioration. Donc les cartes d'amélioration, il y en a pas mal, comme vous pouvez voir, il y a un sacré petit paquet. Donc on commence par le compartiment de contrebande. Donc pour 0 points, donc YT1300 et YT2400 uniquement, modification limitée. Votre bandeau d'amélioration gagne l'icône amélioration racaille. Vous pouvez vous équiper de une amélioration modification supplémentaire coûtant 3 points d'escadron ou moins. Donc ça, c'est pas mal. Tir rapide, donc ça c'est une nouveauté. Tir rapide, portée 2. Portée 1, mais 2D. Ça vaut 2 points, donc c'est la petite médaille. Après qu'un vaisseau ennemi a exécuté une manœuvre, vous pouvez effectuer cette attaque contre ce vaisseau. Attaque. Attaquer un vaisseau, vous ne pouvez pas modifier vos dés d'attaque et ne pouvez pas réattaquer durant cette phase. Donc ça, c'est pas mal. Vraiment, c'est très bien. Donc ensuite, on a tir habile, donc on l'a x2. Donc médaille, 0 point. Quand vous attaquez, si l'attaquant est gêné, vous pouvez lancer un dé d'attaque supplémentaire. C'est pas mal. Ensuite, on a en équipage Finn. Donc un perso, rebelle uniquement, 5 points. Quand vous attaquez avec une arme principale ou défendez, si le vaisseau ennemi est dans votre arc de tir, vous pouvez ajouter un résultat vierge à votre jet. Ça, c'est pas mal combiné à Ray, comme pilote du Faucon Millennium. Ensuite, on a copilote hors pair. Donc c'est membre d'équipage, 4 points. Quand vous attaquez avec une arme principale, le défenseur doit dépenser un marqueur de concentration si possible. Quand vous défendez, l'attaquant doit dépenser un marqueur de concentration si possible. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, on a Ray en membre d'équipage, donc pilote unique, rebelle uniquement, 2 points. Au début de la phase de dénouement, vous pouvez placer un des marqueurs de concentration de votre vaisseau sur cette carte. Au début de la phase de combat, vous pouvez assigner un de ces marqueurs à votre vaisseau. Donc pour 2 points, c'est pas mal. Ensuite, Android, on a M9G8, 3 points. Quand un vaisseau que vous avez verrouillé attaque, vous pouvez choisir un dé d'attaque. L'attaquant doit le relancer, ce dé. Vous pouvez verrouiller d'autres vaisseaux alliés. Voilà, ça, c'est pas mal. Donc, on a le MALS, post-combustion. Donc, racaille, 1 point. Grand vaisseau uniquement, votre barre d'action gagne l'icône action MALS. Après avoir exécuté une action de MALS, défausser, c'est pour 1 point, c'est pas mal. Tir rapide, alors on l'a déjà. Mal, c'est pareil. Là, on a propulseur sur vitaminé, donc pour 1 point. Donc c'est le petit robot. Petit vaisseau uniquement. Les marqueurs de stress ne vous empêchent pas d'effectuer des actions d'accélération ou de tonneau, sauf si vous en avez au moins 3. Donc ça, en fait, ça vous quand vous êtes stressé, bah voilà, vous craignez rien. Sauf si vous en avez 3, mais là, c'est plutôt rare. Analyseur de modèle, donc là on en a deux points. Donc quand vous exécutez une manœuvre, vous pouvez résoudre l'étape contrôler le stress du pilote après l'étape effectuer une action et non avant. Donc ça c'est plutôt cool. Faucon Millennium YT1300 uniquement titre pour 1 point, donc ça c'est uniquement pour le Faucon Millennium. Après avoir exécuté une manœuvre de virage sur l'aile gauche ou droite à vitesse 3, si vous n'êtes pas en contact avec un autre vaisseau et que vous n'êtes pas sous l'effet du stress, vous pouvez recevoir un marqueur de stress pour faire pivoter votre vaisseau à 180 degrés. Donc là, c'est pas mal pour faire un demi-tour sur l'aile. C'est plutôt pas mal du tout. Après, voilà, vous mangez quand même un stress. Donc, c'est une technique comme une autre. Ça peut être pas mal pour éviter, par exemple, des champs d'astéroïdes ou de sortir sur le bord de table. Ensuite, on a Black One pour 1 point, X-Wing T-70 uniquement. Après avoir exécuté une action d'accélération ou de tonneau, vous pouvez retirer une acquisition de cible ennemie d'un vaisseau allié situé à portée 1. Vous ne pouvez pas vous équiper de cette carte si votre valeur de pilotage est de 6 au moins. Donc pour 1 point. Et ensuite, on a deux astromechs intégrés. Donc 0 point, X-Wing uniquement, modification. Quand vous recevez une carte de dégâts, vous pouvez défausser une de vos cartes d'amélioration droïde pour défausser cette carte de dégâts sans en résoudre ses effets. Ça, c'est aussi pas mal, c'est vraiment fat. Et voilà, ce unboxing est terminé, donc on a vu le contenu des héros de la résistance, donc du Faucon Millennium et du vaisseau de Podamron. Donc un contenu vraiment enrichissant qui va peut-être rebooster justement le Faucon Millennium qui était un peu sous-estimé en ce moment. Donc du coup, voilà, on a plutôt une boîte qui est plutôt sympathique avec des cartes voilà plutôt cool. Et puis, faut dire que c'est plutôt cool d'avoir voilà, le changement de design par rapport à Star Wars 7. Donc du coup, le vaisseau de Podamron, inutile de le repeindre. Maintenant, vous l'avez en noir. Et puis, le Faucon Millennium avec son antenne et le
petit réacteur qui est déjà peint. Donc du coup, voilà, deux beaux petits vaisseaux, des cartes très intéressantes. Voilà, quoi de dire mieux, c'était cool. Donc voilà, donc je vous invite à rejoindre la page Facebook X-Wing, le jeu des figurines France, voire lien dans la description. Je vous invite aussi à vous abonner à mes pages Facebook et YouTube. Et je remercie encore Yannick pour cette boîte qu'il m'a offert. Et je vous retrouve donc pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes.